Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je me nomme Ise Brassel et je serai la présentatrice de ce grand, ce merveilleux dernier épisode de la saison 3. Déjà. Violon, pâquerette, chocolat. Et pleureuse professionnelle. On a fait l'IAD et le conservatoire. Ouais. Pour en arriver à un tel niveau de pleurage. Et oui, j'ai avec moi ma Mimi Junior de professionnelle. Bisous. That escalated quickly. Pardon. Manu n'a pas... Lol. Bonjour tout le monde. Non, j'ai donné tout ce que j'avais, c'est bon, je vais aller me coucher. Et j'ai également Hichamel Amoury. Qui n'a pas de personnalité. Non, t'as pas de style. Es... Je préfère être, ne pas avoir de personnalité. En vrai, j'aurais préféré aussi. Oh non, est-ce que j'ai gâché la présentation du dernier épisode? Tu as gâché ton amitié avec moi. Pas du tout. Et nous allons, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook, @onarienpref. Ici, on fait 3 improvisations pendant à peu près 30 minutes. Enfin, je dis à peu près 30 minutes, genre, parce que aujourd'hui, oui, je sais, je dis à peu près 30 minutes, parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Non seulement c'est le dernier épisode, mais nous avons... Manu, pas mal. Bah, tu me donnes des signaux, moi je pense c'est que le moment c'est beau, où mais... tu déroules le tapis rouge, Manu. Ah pardon. C'est le moment où tu déploies les grands rideaux, Hicham. Parce que nous avons de retour. Elle était là il y a 2 semaines. Nous la revoyons cette semaine également. Odile Cantero. Bonjour. Wow. Une telle foule dans un si petit studio. Ah, wow. He's back. Yeah. Bonjour. C'est Manu qui fait des rimshots partout, enfin qui fait ce truc là partout. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour. Oui. Comment non, tu mais vas? Elle a dit bonjour Odile, hein. Je vous ai pas juste interrompu en disant bonjour. En lâchant un gros bonjour d'instit, tu sais. Bonjour. Alors bon, ça commence hein, si jamais. Voilà, je suis là, je suis dans les la classe. Et de du fond là. Ouais. Aïe aïe aïe. Et mais comment te sens-tu depuis la dernière fois, à savoir il y a 2 semaines? Très bien, j'en ai fait des trucs en 2 semaines. Waouh, ouais, j'ai voyagé dans toute la Belgique et après je suis revenue. C'est faux parce que... Ça fait quoi de beau pendant que tu faisais le tour de la Belgique? Non, j'ai mangé des boulettes lapin. Oh! Eh ouais! Oh, des boulettes sauce lapin. Oh merde! Boulettes sauce lapin. Ouais, ça fait très longtemps, mais oui. J'ai passé une nuit à manger des boulettes sauce lapin. Une nuit? C'est épique, ouais. Une nuit, parce qu'on volait, une on nuit rentrait chez nous. Avec le vol de 6h du mat, ce vol dégueulasse que personne ne devrait prendre, mais qu'on prenait un lundi matin. Et donc, on a fait la guindaille. Mm-hmm. Comme ça, yeah. Oui, yeah. Hicham, il a honte, il a baissé les yeux. T'as regardé? Non. Si. Mais c'est normal, je ressemble à une vieille tante qui fait un peu des refs dans ta famille. C'est de, je sais comment vous parlez les jeunes. Hein. Donc c'est pour ça que t'es mal à l'aise. Si, Hicham, tu es mal à l'aise. Ok, à vos ordres. Donc voilà, et du coup, on a fait la fête très tard et alors on s'est dit bah autant ne pas dormir. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas dormir? Eh bien manger des boulettes. Voilà, c'est ça. Oh, wow. Donc on a mangé des boulettes sauce lapin et après voilà. C'est la seule nuit blanche que j'ai faite de ma vie. Oh, je l'ai faite chez vous. Wow. Je n'avais jamais fait ça avant. Ici? Merci. Dans le studio. Chez moi. Et ben Odile, non seulement merci pour cette anecdote fantastique, plaisir. Mais sache qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un épisode comme tous les autres, c'est un épisode présenté par moi. Et oui. Qui dit épisode présenté par Ise, dit la question saugrenue du jour. D'accord. La question saugrenue du jour je vais te poser, c'est très simple. Jusqu'ici, c'est assez concret pour une question saugrenue. Si tu étais une chaussure, quelle chaussure serais-tu? Basket. Aha ouais. Voilà, bon. Et quelle basket? À la prochaine. Mais et pourquoi? Et quelle basket? Raconte-nous. Je serais une basket où il y a de l'air dans la semelle, que du coup, c'est pas le truc le plus esthétique du monde. Tu veux dire qu'il fait des proutes quand on marche avec? Mais non. Mais non, mais avec les coussins d'air. Les coussins d'air. Ah oui, pardon. De deuil. Oui. Voilà. Oui, peut-être que je me suis mal exprimée. Non, c'est moi qui n'avais pas l'image mentale adéquate. Du coup, c'est pas la chaussure la plus esthétique, mais c'est une chaussure confortable.
Et au bout d'un moment, elle craquelle, il n'y a plus d'air oui. dans la semelle, mais du coup, il y a encore une semelle. Oui, c'est vrai. Contrairement. Donc, il y a des ressources que tu ne devines pas, dont tu ne peux pas te douter. Et, ouais. et certes, il y a des trucs plus stylés, mais en vrai, qu'est-ce que c'est confortable. Bah, si ça ressemble aux baskets que t'as là, elles sont vachement cool. Hein. Pas la plus esthétique, ouais. mais confortable. Mais non, je trouve que tes baskets que t'as amenées aujourd'hui, elles sont trop bien. Elles sont vraiment classe. Beaucoup. Mais ouais, ouais. Tu devrais mettre ça sur la, comme bannière de ton site. Les baskets. Une chaussure confortable. Non, c'est nul. Non, mais les chaussures que avec lesquelles je suis venue aujourd'hui, c'est drôle parce que j'ai 34 ans, j'arrive à un âge où tu te dis... Est-ce que je peux encore m'habiller comme il faut, tu vois? Il y a forcément un moment donné où je vais pas me rendre compte qu'en fait je ne m'habille plus de façon stylée. Et là, celles-ci, elles sont validées par les jeunes de la street un peu. Et ça m'a fait... Il y a eu 2-3 gens dans la rue très jeunes, 16-17, qui ont dû me dire elles sont très stylées là, tu les as trouvées où? J'étais là genre... I'm so in! Oui, mais après ta réponse c'est... J'ai Footlocker en fait, juste là. Là. Oh. Et quand même, ça fait plaisir, non? Ça vous fait pas plaisir vous quand vous êtes validé par les jeunes un peu? Carrément. Enfin, c'est clair. Carrément. Juste que j'ai peur de genre, je suis moi-même de la génération Z. Oui, c'est ça. Voilà. Et eh bien toi Hicham, quelles chaussures serais-tu? Oh non. Allez. Oh là là. Là t'as des chaussettes dépareillées aujourd'hui. Peut-être un indice tous les jours. C'est tout le temps comme ça. Je pense que ça se rapprocherait un peu des chaussures que je mets, c'est-à-dire des campers un peu chelous sans lacets. Celles où tu peux un peu slip dedans là. Ça c'est le problème, c'est que tu te pètes la gueule si la surface n'est pas optimale. Et je pense que c'est un bon parallèle avec mes personnalités. Tu te pètes la gueule si la surface n'est socialement, pas optimale. Socialement, oui. quand tu mets tes chaussures. Hein? Non, pas quand tu mets tes chaussures. Mais non, quoi? Je pense qu'elle disait quand tu mets tes chaussures. Non, les enfiles. Non, pardon. Non, quand t'as tes chaussures au pied. Ah oui, ça, genre c'est pas des semelles qui... Oui, c'est pardon. Ah oui, pardon. Non, d'accord. Mais tout... Ouais, ça aurait pu aussi. Genre quand il pleut et quand les chaussures sont un peu usées, je dois faire un peu attention à comment je marche. Sérieux? Potentiellement, ouais. Tu peux glisser, genre? Je peux me... Ouais. Wow. Comme ça, glisser, ça se péter la gueule en mettant ses chaussures, je pense que ça doit vraiment être très marrant à voir. Non, mais là, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai juste notre image en tête. Et toi, Manu? Tu serais quoi comme chaussure? Je pense que... Elle croque. Oh non, s'il te plaît. C'est vrai. Elle croque à fourrure. Non, mais je dirais que quelqu'un le dise. Moi, non. Ça m'a traversé l'esprit, j'avoue. Vraiment? Mais bien sûr, mais j'aime les pas crocs. Ces chaussures. Mais en fait, tu sais que ça revient, les crocs. Mais oui, Manu, il faut qu'on soit prête. Excuse-moi, Macron a été réélu. Est-ce qu'il faut être pro-Macron? Enfin, tu vois, non, voilà. Mais... Moi, je fais des parallèles qui sachent. Ouais, c'est vrai. Ah non, je refuse d'être pro-crocs quand même. Ouais, moi je pense que en fait j'ai des converses à sequins. Ah je pensais exactement à ces chaussures. Oui, tu vois, donc en fait à la fois c'est confortable, c'est un peu stylé, on peut faire la fête dedans. Bah oui, c'est vrai. Et puis tu vois, c'est un peu bling bling, c'est un peu bling bling, ouais. Tu te prenais pour des escarpins vert fluo de 1000 cm. Ben, la première image mentale que j'ai eue, c'est des chaussures que j'ai pour faire du drag, qui sont des chaussures blanches avec un talon aiguille de 20 cm à l'arrière et une plateforme de 15 cm à l'avant. C'est de la veuve. Voilà, en mode un peu Koh-Lanta, quoi. Tenir dessus, c'est un peu le Koh-Lanta. C'est un peu, voilà. C'est le Koh-Lanta des Renouais. C'est ça. Clair. Non, moi, ça m'impressionne. Je suis nulle en talons. Et je pense que sur mon prochain numéro drag, j'aurai ces chaussures au talon, mais je ne suis pas ces chaussures-là. Ouais. Ouais, mais je vois trop ce que tu veux dire. Ouais. Déjà, il y a avoir ses chaussures et être exactement. Chaussures. Ouais, c'est différent. Et dans ce cas-là, c'est bien pas sûr. Pareil. Bien sûr. C'est pour ça qu'on pourrait être une Crocs. Oui. Sans avoir des Crocs, Manu. Je voulais juste revenir là-dessus. On peut être une personnalité Crocs. Oui, pardon, je t'ai interrompu. Non, t'inquiète. Mais je me disais justement que je n'étais pas la chaussure que je porte. Je pense que je serais une de ces sandales dans les dessins animés, comme Winx. Dans les Winx, elles ont des espèces de sandales qui servent à rien. Mais qui remonte très fort au niveau du mollet avec des feuilles, des fleurs, en chantix comme ça. Ah ouais. Je pense que je suis une sandale comme ça, dans le sens un peu barefoot comme ça, mais également un petit peu bling bling comme ça. Mais dans la vie, je suis combat boots à fond quoi. Voilà. Okay. Je pense que c'est une combat boots qui remonte avec des feuilles et des trucs comme ça. Oh, ouais. Ça me plairait trop. Combat boots à sequins. Ah oui. Bref. Combat boots à sequins à Koh-Lanta. Oh oui, on a tout compilé. Et qui a une semelle qui fait de l'air. On a une petite bouche. C'est la surface qui est pas optimale. C'est la pire chaussure de la planète, quoi. Trop bien. Pire chaussure. Eh bien, il est temps de passer aux improvisations. Je pense qu'on a assez parlé de chaussures, quand même. Oui. Oui.
fallait valider. Tu attends vraiment une validation sur cette transition? Oui, je pense que nous avons assez. C'est ce genre de moment qui me fera me dire on est tellement. On tient tellement la vibe de ce truc, tu vois. À bout de bras. Eh ben, Hicham, si tu valides ma transition, transite vers ton impro. Oh, c'est beau. Alors, moi, je vais proposer une radio du cœur. Oh yeah. Une radio du cœur où Odile va jouer l'hôtesse d'une radio libre. On va dire orienté conseil relationnel slash amoureux slash sexuel selon ses envies ou autre chose d'ailleurs en fait, j'en sais rien moi, peut-être que ça va être un truc économique. En tout cas qui sera inspiré par une bande son que je lui propose qui est le thème de l'émission, entre guillemets, et Manu et Ize vont interpréter des auditeurs qui vont venir poser des questions et Odile va répondre... du mieux qu'elle peut aux questions saugrenues qui seront inspirées par des mots que je vais donner. D'accord. Est-ce qu'il y a un signe, genre le téléphone sonne ou la parole? Je vais brièvement interrompre et je vais dire à l'une ou l'autre. Ton mot sera et ensuite ils vont poser leurs questions. Ah d'accord, très bien. Et oui. Eh ouais. J'ai déjà le premier mot. Non parce que oui j'aime bien les règles des jeux. C'est comme ça que vous faites chez vous? Oui, mais pour de vrai, c'est vrai. Je panique quand les règles sont pas claires. Ah oui, oui. Alors donc, a priori, je donne le signal clair. Que... Ah non, mais alors là, c'est extrêmement clair, attention. Okay, c'est trop clair. Taisez-vous. Je veux plus faire cette rencontre. Ok, c'est parti, maintenant. Oui. Bienvenue. Bienvenue sur l'amour partagé, l'amour parlé. De 22h30 à 1h du matin, c'est Sylva qui vous écoute. Et voilà, on va recevoir un premier appel ce soir. Je crois qu'elle nous appelle depuis chez elle. Il est déjà tard. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Allô? Ize, ton mot sera catapulte. Allô? Oui, allô, bonjour. Quel est votre prénom? Je m'appelle Cunégonde. Cunégonde, mais c'est très joli ça, c'est très ancien et pourtant ça sonne encore nouveau. Alors comment ça va, Cunégonde? Eh bien, Dame Sylva, j'ai un souci. Dame Sylva, bon, on ne m'a jamais appelée comme ça, j'apprécie beaucoup. Vous avez un souci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve que mon être aimé se trouve de l'autre côté du quartier. Ah oui, alors ça, la distance, l'amour à distance, ça pose des questions. De l'autre côté du quartier, ça représente quoi pour vous? Qu'est-ce que... Donc ça représente au moins 10 minutes de marche et je ne puis me permettre, mon amour n'attendra pas si longtemps. J'ai donc construit une catapulte pour m'expulser jusqu'à mon être aimé. Mais ça, c'est merveilleux, les catapultes, les balançoires, on apprécie toujours. Donc, vous l'avez mise où? Vous l'avez mise devant la fenêtre de quoi? Du salon, de la cuisine, vous en êtes où là? Mais tel est le problème, je suis actuellement sur la catapulte, sur le toit et ça ne marche pas. Vous êtes actuellement sur le toit, d'accord Cunégonde. On va rester ensemble un petit moment, je vais juste vous passer le service de sécurité. On n'est pas loin de chez vous, hein, donc on va arriver rapidement. Je vais couper la corde, non, je vais couper la corde vous, je, voilà. Je vais couper la corde Sylvain. C'était un premier appel ce soir. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne. On souhaite à Cunégonde de ne pas s'éclater la face. On entend encore, c'est étrange, pourtant la ligne avait... Non, on ne sait pas. Bon, alors, ce soir, hein, que d'aventure. Quelle est la prochaine aventure qu'on va vivre ensemble? Allô? Et ton mot sera chandail. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Camille. Oui. Et en fait, voilà, j'ai deux amoureuses. Oh. Et en fait... Camille, vous êtes avec moi? Oui. Je vais juste vous demander de prendre une petite inspiration. Juste une toute petite inspiration. Voilà. Oui, parce que des fois, quand on appelle, on est stressé. Hein, c'est une émission importante. Ah, merci. Voilà. Merci, juste Sylvia, c'est déjà... Alors, deux amoureuses. Oui, deux amoureuses. Et en fait, j'aimerais bien leur demander à chacune si on peut être trois amoureuses ensemble, vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, l'amour, c'est pas un vase communicant. C'est pas parce qu'il y a plus d'un côté qu'il y a moins de l'autre. Hein. Je pense que c'est ça, peut-être il faut leur faire un petit cadeau, voilà, qui représente comme ça
le fait que tout communique. Hein, ah oui. Une fontaine, peut-être quelque chose, un circuit aquatique. Je suis pas vraiment. Enfin, je suis plutôt. Je fais un petit peu de broderie, oui. De couture. Je me disais que. C'est très bien. Ça. Peut-être un. Je sais pas, un pull ou un t-shirt avec nos trois prénoms dessus, bien et comme ça. Bien sûr. Et puis des cœurs autour. Ou... Quelque chose qui vous lie, hein. Oui, que voilà. Que ce soit par le coton, le tissu ou l'eau, quelque chose qui vous lie. C'est quoi votre plus grande peur, Camille? C'est quoi qui vous fait peur? Pourquoi vous osez pas leur dire? En fait, ce serait qu'en fait, elles soient amoureuses toutes les deux, mais plus de moi. Bien sûr, le triangle, hein, l'éternelle voilà. Trinité. Ça nous tombe dessus, on le voit pas venir. Et en amour, ça arrive. Mais là, vous savez quoi? Moi, je sens une base solide. Je sens que Pythagore est avec vous. Ah oui? Oh, super. Oui, je pense que vous êtes l'hypoténuse. Merci beaucoup, Camille. Oh, merci. Merci, une excellente soirée à vous. Dis donc, il y a du monde hein, ce soir. Il y a des gens qui volent et il y a des gens qui veulent. Et ça, c'est magnifique. On va peut-être encore prendre un appel si on a le temps. Je regarde mon régisseur qui me fait le signe que oui. C'est toujours Rémi à la régie. Alors, attention, allô? Allô. Le mot sera créateur. Allô, bonjour, Sylva? Oui, c'est moi, c'est Sylva qui vous écoute, qui est avec vous. Comment ça va? Ça va bien. Je m'appelle Luna. Luna et Sylva, la lune et la forêt, oui. Au même endroit, si c'est pas merveilleux, au milieu de la nuit. Dites-moi, Luna, qu'est-ce qui vous amène? Façon de parler, bien sûr, puisque vous êtes chez vous. Eh bien, justement, je viens vous demander un petit service parce oui. que j'ai justement flashé sur votre régisseur Rémi. Je trouve que sa façon de coordonner les sons, ça me fait craquer. Alors là, Luna, je dois vous dire que Rémi s'est figé en cabine. Hein. Il ne bouge plus, il me regarde avec des grands yeux. Il n'est pas habitué, il est célibataire depuis 92, donc forcément, ça fait un petit moment. Wow. Mais il a l'air de rougir, il a l'air content. Qu'est-ce que vous... Si vous deviez comparer Rémi à un animal, ce serait quoi, par exemple, Luna? Vous pensez à quoi? Une belette, très une certainement, belette. Parce oui. qu'elle court dans la forêt avec Sylva. Oh. Et puis parce que j'entends son cri lointain qui m'appelle. Luna, est-ce que vous avez déjà vu Rémi dans la vraie vie ou c'est juste une sensation, une connexion qui passe à travers nos ondes? Je l'ai déjà vu dans mes rêves. Dans vos rêves régulièrement. Et ça, c'est magnifique, Luna. Écoutez, je crois que le message est passé. Rémi vient de s'écrouler sur sa chaise. Je crois vraiment que ça ne lui est jamais arrivé. Il transpire, il a chaud. Je vais aller lui tamponner un peu le front. Et puis, on revient bientôt. Est-ce qu'on a encore le temps d'un appel ou est-ce que... Sylva. Non, peut-être pas, je ne sais pas. Je regarde mon régisseur, mais là, il ne donne plus rien comme signal. Donc, il est figé, les yeux dans le vague. Je crois qu'on a un dernier appel, c'est ça? Très bien. Alors, allô, allô, qui est là? Qui est au bout du fil de l'amour? Et mon mot sera jambon. Allô? Oui. Ah, allô, je... Oui. Oui, allô, je viens oui. chez Sylva. Absolument, sur, vous êtes sur la radio. Chez Sylva. L'amour partagé et l'amour parlé, comment ça va? Oui, ça va. Ça va. Pas tellement. C'est un petit ça va. Hein. Oui, parce qu'en fait, j'ai toujours eu une vie sans histoire. Hein. Moi, j'ai toujours été... Enfin voilà, j'ai fait une école de commerce et puis oui. maintenant, je suis c'est conseiller... Bien, ça, les écoles de commerce. Oui, puis je suis conseiller dans une entreprise publique, etc. Mais bien en fait... Ça, conseiller dans une entreprise publique. Tout à l'heure, en rentrant chez moi, en fait, je me suis arrêté devant la boucherie de mon quartier. Oui. Et en fait, j'ai vu pendre comme ça du plafond un énorme jambon. Oui. Et en fait, oui. Je peux plus m'empêcher de penser à lui. Et en fait, j'ai jamais eu d'amoureuse ou d'amoureux ou quoi. Et je me demande, en fait, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression, alors je sais pas, peut-être que c'était une lampe qui se reflétait dessus, mais j'ai l'impression que... Je vais vous poser juste une question très simple. Est-ce que vous êtes végétarienne? Un peu végétarienne? Je suis végane depuis 12 ans. Voilà. Voilà. Et ben, parfois, la vie met sur notre chemin des choses qui nous renversent. Et peut-être que, un amour pour un jambon, c'est pas si grave. Que vous avez le droit d'y penser quelques jours sans vous en vouloir. Mais quand même, c'est de la viande, juste un gros c'est jambon. De la chair morte. C'est bien sûr, c'est de la chair morte, mais c'est avant tout un jambon. Ah oui. Je pense que le jambon n'a pas choisi d'être de la chair morte et que s'il pend comme ça au-dessus de vous et que ça vous fait quelque chose, je pense que c'est bien d'en prendre conscience et de ne pas se juger. Oh. Je vous laisse, je vais aller Merci. Retirer Rémi. À la semaine prochaine hein, pour... Oui, au revoir. Au revoir, profitez bien. J'arrive. C'est couche J'arrive. De gras. Voilà, c'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. L'amour partagé et l'amour parlé, c'est seulement avec vous et ce sera jamais sans vous. Bye bye. Wow. Mais t'as fait ça toute ta vie en vrai. Ah mais ouais. Le ton langoureux. Mais oui. Ouais, à
Facilement. Pascal Clark réincarné. Mais j'aime bien ces émissions. Je trouve, pour de vrai, c'est un espace de nouveau, c'est un espace de parole qui est fascinant, je trouve. Ouais. C'est fou. J'adore entendre. Je sais pas, enfin, ce truc de liberté, de radio libre, quoi. En fait, j'appelle, je raconte ce que je veux. Ah ouais, moi, ça me charge beaucoup, ouais. Voilà. Et moi, j'ai travaillé à la radio l'été dernier. On a enregistré une émission qui s'appelle Durand Durand sur Couleur 3. Et qui est des radios de monde parallèle comme ça pendant 15 minutes. Et du coup, on faisait un peu les malins parce qu'on était à Couleur 3 et chez nous, c'est une chaîne importante. C'est gros, ça, ouais. Voilà, on était assez contentes. Et du coup, on s'est raconté un peu comme ça, en marchant dans la rue. On retourne au travail, on va à Couleur 3, bliblablou. Et sur le chemin, eh ben, on a croisé l'animateur phare de l'émission chez nous de Libre Parole, quoi, d'appeler la ligne du cœur, quoi, un peu. Et en fait, c'est vraiment une figure de notre enfance. Et on faisait toutes les malines qu'on voulait. Mais en fait, tout à coup, il est apparu au bout du couloir, au bout du chemin, quoi. Et tout à coup, il est arrivé comme ça. Et vraiment, on s'est juste piqué. On était avec ma pote, et vraiment, les deux, on a fait un peu. Et lui, il a fait salut, parce que tout le monde te dit salut dans les couloirs d'une radio parce que t'es stylé. Et les deux, on a vraiment fait. On a fait hello. Et on était méga déstabilisés, méga impressionnés. Et c'est une voix qui a bercé notre enfance. Donc voilà, ça, c'est pour ça. Waouh. C'est drôle qu'on ait fait ça maintenant. Ça. C'est trop chouette. Oui. J'ai un moment comme ça aussi, j'ai rencontré Blabla. Ah oui. Et Blabla. C'est l'équivalent de Bibi, mais pour les... Bibi, c'était Suisse? Non, je sais plus. En gros, c'est une marionnette qui animait une émission pour enfants. Ouais. Ah, d'accord. Ah, les Babi Bouchette, chez nous Albert Levert. Mais c'était dans le même truc. Bibi, c'était un truc avec une espèce de floche vers l'arrière jaune, comme ça. Je sais pas. Bon, j'ai grandi, sans la télévision, donc c'était la télévision. Ouais, parce que quand j'étais gosse, j'avais TV5 et TV5 diffusait des émissions variées de la francophonie. Il y avait des émissions pour gosses de Suisse. Et il y avait les Babi Bouchette où il y avait Henri Dess dedans. Oh, bah oui, trop classe. Il était phare dans. Ouais. Il est suisse, Henri Dess? Bien sûr qu'il est suisse. Ah, moi je savais pas. Je savais pas. Je l'ai croisé déjà au marché et tout. Ah ouais? Bah oui. Bon, il habite à Lausanne, c'est une petite ville, c'est très facile de croiser. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était une méga star plus tard, quand des gens d'autres pays m'ont fait Henri Dess. J'étais là, bah ouais. Nous, c'est quelqu'un de chez nous, donc. Ouais. Ah ouais. Mais il est génial. Henri Dess, apparemment, c'est un de ses fils, c'est fait du métal. Et il a fait, et oui. Ils ont fait un truc, c'est Henri Dess Metal. Oh, genre, il y a des mecs qui mochent sur du Henri Dess, et le gars, il est en train de chanter son truc avec tout le reste des règles qui font boudoudoulou, et il est en train de se marrer, tu vois, et tu vois les gens qui font... Il y a une vidéo et tout le monde est même méga fan. Il est en train de crever de rire de voir les gens en train de faire des moches. Oh, c'est très rigolo. Et puis, grâce à ça et à Henri Dess, vous m'offrez une belle transition. Et oui, parce que Manu, présente donc ton improvisation que tu vas nous proposer. Eh bien, mon improvisation que je vais vous proposer... Mais tu vas voir, c'est une chanson. Ouais. C'est pas vrai. Mais alors, malheureusement, c'est pas une ritournelle d'enfance. Enfin, a priori, pas, c'est pas la vibe. Oh. Mais c'est une chanson live. C'est-à-dire que j'ai prévu une bande instrumentale afin que vous puissiez... quoi? Ah oui, pardon. Je reçois des messages en même temps. J'ai prévu. Je vois Hicham qui fait un truc de pro là, il décroche son micro, il est en mode genre. Bam, bim, boum. Moi aussi je dois faire ça, Hicham? Oui. C'est vrai? Si tu fais ce que tu veux. T'as l'air de savoir ce que tu fais, du coup j'en ai fait pareil que toi. Ça, c'est une apparence. C'est peer pressure. Exactly. C'est bon. C'est bon. Donc, maintenant que nous avons presque tous nos micros à la main, j'ai prévu une bande instrumentale et Hicham et Odile, vous allez pouvoir improviser une chanson dessus. Il faut juste savoir qu'il va passer la moins bonne des deux, il va se garder la seconde. Il en prévoit toujours deux. Elle en prévoit alors, deux. Cette et fois-ci, la deuxième, elle se la garde pour faire le YouTube dessus. Cette fois-ci, je n'en ai qu'une. Sympa. Voilà, donc je ne vous demanderai même pas qu'est-ce que vous voulez et tout. Je n'en ai qu'une, ce sera celle-là et rien d'autre. Et je n'aurai rien pour mon YouTube. Oh, pauvre bébé. Oui, ce sera un YouTube tout nu. Tu veux... tout nu ou tout nul? Tout nu comme un bébé. Ah, ok. Alors, je vais quand même vous donner un mot. Votre mot sera parfum. Parfum pour une chanson d'environ 3 minutes. Attention, c'est parti. Quand il passe la porte, je sens jusqu'ici qu'il a mis du parfum, qu'il ne vient pas pour rien. Chaque fois que je passe la porte, oui, je sens son odeur.
un indice de menthe, du savon et des fleurs. On fait que sentir, on se touchera jamais, non. On fait que sentir, nous, on fait que sentir. On fait que sentir, nous. On fait que sentir. Je renifle le pas de la porte comme si j'étais un chien en chasse. Je suis désespéré. Je me mets en position. Je me tracasse. Oh, il sent partout, il sent tout le temps. Mais je peux pas lécher ses dents. Non, parce que c'est pas encore un amant, non. C'est surtout le voisin, non. Alors on fait que sentir. Du bout des narines. On fait que sentir. Non, du bout des narines. Du bout des narines. Non, 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 reste, non, reste loin. Plus il s'approche, plus je sens que ça vient. Plus il s'approche, plus je sens l'odeur de ses reins. Reste loin. On fait que se sentir, on fait que se sentir, on fait que se sentir. La seule information qui lui manque peut-être, c'est que je sors les poubelles de tout l'immeuble. On fait que sentir du bout des narines. On fait que sentir, mais on se sent bien du bout des narines. J'étais vraiment très contente qu'on trouve le moment du refrain. Ouais. Ouais. D'un coup, l'instru a changé. J'ai fait OK, c'est maintenant. Ouais, à fond. Non, non, c'était. Toujours le truc avec. Parce qu'à la comédie musicale improvisée, on a des codes refrain, physiques. Ouais. Donc, on fait vraiment au pianiste. Enfin, du coup, on a une structure. Ouais, ouais. Voilà, on sent un peu plus ou moins la structure. Et d'un coup, vraiment, pianiste et chanteuse fait bam, OK, refrain. Et moi, les instrus préparés, j'avoue, ça m'a stressé. C'était quand t'as dit ça va être une instru, j'ai vraiment fait OK, bon, voilà, on n'a pas le choix d'être calé. Donc, voilà. Généralement, ça se sent dans la. Oui, oui, ça se sent. Il y a un peu une montée et machin. Ouais. Mais tu te dis juste, ouais, bon, on va dire que oui, oui. Après, la boucle était très claire. Il y a du gros YOLO. Il y a du gros YOLO, mais. Ouais. C'est clair, mais c'est super. Yes. Voilà. C'est trop bien. Ouais, franchement. Trop bien, trop bien. Bravo, bravo. J'ai bien aimé faire ça avec toi, Hicham. Ah, si, c'était pas. Ah ouais, franchement. La chanson improvisée, c'est mon gros date. Ah, c'est vrai. Oui, j'adore. Ouais. J'adore. 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 Il adore. Dans on l'histoire, adore. En plus du podcast, il y avait vraiment ce côté où Hicham était le pro musical du groupe. Et au début, moi, personnellement, ça me faisait stresser un max. Et puis, on a eu un super workshop avec Manu qui nous a fait « Au fait, c'est pas grave, si on est aussi bon qu'Hicham, on a qu'à essayer. Ouais. » Avec Tom Tolenaar. Oui. Ça, si tu vois. C'est un flamand, mais qui travaille aussi beaucoup en français. Ok, ok. Et qui accompagne beaucoup au piano, mais qui coach aussi beaucoup en chant improvisé et tout, et excellent. Ça aide à se lâcher le cerveau, en fait, sur le concept, parce que t'entends comédie musicale, tu fais... Ouais. En fait, c'est tellement de la vibe. Ouais. That's a wave, baby. That's a wave, baby. Et oui. Mais merci pour cette magnifique vague musicale à vous deux. Mm-hmm. C'était épique. Je pense qu'on pourra le mettre dans l'album dont on a rien préparé, Fastoche. Et pour un jour. Qui sera disponible pour tous les pour tous ceux qui gagnent 1 500 000 points pour des t-shirts. Ou pendant l'été. On peut faire un album pendant l'été. Ouais, l'album de l'été, le tube de l'été. Ah oui. En vrai, moi, je suis trop chaude. Alors, nous allons passer à la dernière improvisation que je vais vous proposer. Manu et Odile, vous allez jouer une variation de style. Ouh. Et oui, pour cette variation de style, je vais vous donner un mot pour vous inspirer. Vous ferez une improvisation
des plus normales, sauf qu'à chaque fois, je vais vous imposer des styles. Oh, j'adore cette contrainte. Manu, on doit faire une improvisation des plus normales. Bonjour. Ah, non, s'il te plaît, on fait ça. C'est notre improvisation. J'adore. Bien. Mais oui, en plus, c'est vrai que c'est très malin. Et quand on dit une improvisation ordinaire ou simple, genre, qu'est-ce que ça veut dire? Des plus normales. Des plus normales. Ok, ok, ok. C'est vrai que dit comme ça. Mais c'est... Non, mais c'est bien, c'est bien, justement. Non, mais c'est super. N'essaye pas le passif agressif. Nous allons vous faire une improvisation qui aura pour titre papillon. C'est le mot que j'ai sélectionné pour vous. Et le premier style que je vais vous imposer est le film à la manière d'un film de Med Fantasy. De Medieval Fantasy. De Medfan. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Medieval Fantasy. Ok, ok, okay, très bien. Tu enlèves des syllabes et c'est plus compréhensible pour toi. Mais alors, du coup, c'est pas une. Med Fantasy, je comprends pas. Medfan. Ah, ok, tu pourrais te le dire dès le début. Medfan, ouais. Attends, ils font une impro ordinaire ou une impro à style dès le début? Non, un style dès le début, c'est ça que tu as. Vous avez un style dès le début, ah, okay. Sauf qu'il changera. Oui, donc on ne fera pas une impro des plus normales. Bah c'est ça. Mais un jour, on la fera. Promis. Un jour, on fait une impro des plus normales. J'ai vraiment beaucoup d'idées. En vrai, c'est un concept. Oui, c'est génial. Mais bon, bref, allez. Papillon, prête, ouais. Êtes fan, c'est parti. Est-ce que vous l'avez rapporté? Oui. Vous l'avez avec vous? Oui, madame, je l'ai. Il est là, dans ma sacoche. Ça y est. Mais je ne sais pas si je dois vous le donner. Comment? Qu'est-ce que vous dites? En chemin vers ici, j'ai rencontré un... Un palefrenier, un simple palefrenier, mais qui m'a conté une légende, madame. Il m'a dit que si un jour ce papillon sortait de cette simple besace, il amènerait moult tempêtes sur notre pays. Moult tempêtes, vous dites? Oui, madame. Oui, mais c'est le seul capable de me faire me lever de ce lit que je n'ai pas quitté depuis 15 années. Je sais, madame. Très bien, nous allons continuer cette improvisation. On était dans la catégorie? Je pense bien, ouais. Moi, je nous ai pris un 9 sur 10. Vous avez joué ça à la manière de Ionesco, par contre. On continue cette improvisation à la manière d'un thriller, d'un film de suspense. Ouh, c'est parti. Je ne comprends pas ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Si tu as ce papillon dans sa sacoche, par pitié, sors-le, d'accord? Mais je ne vois pas ce qu'un papillon changerait si... Si tu veux vraiment te lever, lève-toi. Jeff, je t'ai déjà dit que je vois apparaître cette petite fille toutes les nuits qui me dit que si je me lève... Non, tais-toi. C'est toi qui meurs. Tais-toi, Lorraine, tais-toi. Tu m'as déjà raconté cette histoire 30 fois. Je ne peux pas en parler, d'accord, Jeff? Et tu sais, ce psy, il m'a dit que ce papillon ne changerait rien, que de toute façon, Jeff, c'est dans ta tête. Jeff, écoute-moi, regarde-moi dans les yeux. Je pense que dans tout ça, on est juste... Est-ce que t'as entendu? Non, non, j'ai rien entendu, Lorraine. Jeff, ne fais pas semblant de ne pas avoir entendu. C'est impossible que tu n'aies pas entendu ça. Lorraine, arrête, arrête. Ce n'est pas juste dans ma arrête, tête. Arrête, je ne sais pas comment est-ce que tu fais, mais arrête ça tout de suite. C'est pas drôle, Lorraine, c'est pas drôle. Ce n'est pas moi, Jeff. Elle est à l'intérieur de... Très bien. Et nous allons continuer. Je suis un peu frustrée. Courage. Nous allons continuer à la façon d'un teen movie romantique. Un teen movie romantique, c'est parti. Attends, tu veux dire que c'est le papillon ou la petite fille qui est à l'intérieur de toi? Je sais pas, sûrement un peu des deux. Un peu des deux? Un peu des deux, j'ai l'impression d'avoir des papillons dans les mains et des mains dans le ventre. Enfin, ou peut-être l'inverse. Non. Quoi? Non, Lorraine. Oh, arrête, Jeff. Lorraine? Oui. Oui. Papa. Voilà. nous sommes entendus chez le gynécologue, si tu veux. C'est quand même incroyable que tu décides de le garder. C'est une décision audacieuse. Oui. Je crois que c'est une petite fille qui est à l'intérieur de moi et que... Enfin, je dis une petite fille. Qu'est-ce qu'on en sait après tout? Lorraine? Oui. Alors? Je suis enceinte. Alors? C'est elle qui... Tu disais de la prom, c'est vrai? Oui. T'as vraiment couché avec le leader des quarterbacks? Tu peux l'éduquer, toi? Papa? Je suis désolée, Lorraine. Viens. Ouais. Ce n'est pas grave. Mais je ne retrouverai jamais l'amour. C'était lui et c'est personne d'autre. Lorraine, ni encore. Mais je ne retrouverai jamais l'amour. C'est elle et c'est personne d'autre, tu comprends? Ne dis pas ça. Tu trouveras certainement quelqu'un de mieux. Mais non, mais là... En plus, je suis sûre que Clara va lui dire que...
qu'il trouvera quelqu'un de mieux. Je sais que ça paraît beaucoup de... Est-ce que je suis quelqu'un de mieux, papa? Moi, je pense que je suis quelqu'un de mieux pour toi. C'est vrai? Oui, je crois. Et nous allons voir la suite de tout ceci à la façon d'un film d'espionnage. Ouh. C'est parti. Lorraine, vous avez été d'un manque de professionnalisme notoire avec cet agent. Je sais, je suis absolument désolée. J'avais une mission. Qu'avez-vous fait du microfilm? Qu'as-tu fait du microfilm? Je n'en ai rien fait, je n'en ai rien fait, je ne cracherai pas mot. Comment ça? Bon sang, je l'ai laissé parce que tu m'as dit que t'avais les informations dont on avait besoin, que j'avais plus besoin de les soutirer à elle. Écoutez, c'est très simple, j'ai ingéré les microfilms. Ils sont en sécurité à l'intérieur de moi. Je m'apprête à prendre l'avion pour Buenos Aires. Vous avez les billets? Bon sang, je sais où elle va aller. À Buenos Aires. Parce que quand elle était petite, son père l'emmenait toujours là. Il faut que tu me trouves des billets. Mon père m'emmenait toujours là, sur un banc dans un parc pour manger une margarita. Est-ce que ça se mange? Je n'en sais rien, peu importe. Est-ce que vous avez les billets? Vos billets sont déjà commandés. J'ai également ce petit sac, Lorraine. Qu'est-ce que c'est? Un sac pour récolter le microfilm. Il est rentré et va finir par sortir. Je vais prendre mon sac, Ralph Lorraine. Je suis sûr qu'il y aura assez de place pour mettre les microfilms dedans. Chic. Tiens, c'est intéressant comme ils ont installé les sièges dans cet avion. Je me demande si c'est réglementaire. C'est fou, parfois je pense dans ma tête et je m'entends en même temps. Arrête de penser, Lorraine, concentre-toi. Quel siège est-ce qu'elle va prendre? Quel siège est-ce qu'elle va prendre? Mets-toi sous le siège, comme ça quand elle arrive dans l'avion, tu es déjà sous le siège et... Bonjour, Lorraine. Oh bon sang, qu'est-ce que vous faisiez sous mon siège? Et nous allons voir le grand final de ce film incroyable. C'est vraiment nul comme réplique d'espionne. Qu'est-ce que vous faisiez sous mon siège? Pardon. Et vous allez finir ceci, j'ai trop hâte, à la façon d'un opéra. Un opéra bien dramatique. Okay. Et c'est parti. Donc opéra, on chante tout le temps. Okay. Comme vous le voulez. Pardon, mais très bien. Sous. Attends. Sous ton siège. J'étais là depuis le début. Oh non. L'avion est parti vers Buenos Aires. Et si j'ai une mallette? Vas-y, on tient bon. Merde. On n'arrive pas à trouver la Donna, c'est l'enfer. On va la trouver. C'est horrible. Donnez-moi les microfilms, tous les agents vous encerclent, vous êtes cernés. Oh non, je ne peux pas, je lui appartiens déjà et je ne veux pas. Tout m'appartient. Sautons de cet avion. Mais c'est à mort. C'est bien trop tard. Le père de ton enfant. C'est bien trop tard. Je le dirai à mon papa. Vous êtes tous les deux compromis, moi non, en tant non, que chef. Non, je non. vous dégrade et vous mets en prison. Je prends ce parachute. N'entendra parler de vous. L'opéra est malheureusement décédé suite à cette intervention. Et on a compté dessus pendant longtemps quand même, hein, des centaines d'années. Voilà. Et là, c'est fini. Terminé. Voilà, ça y est, il a fait... Il est mort. Voilà, il est mort de sa belle mort. Il fallait bien que l'opéra meure un jour. Il fallait que quelqu'un l'achève. C'est nous. Il y avait un respirateur, on a fait « ouais, non, tu sais allez, quoi, on va tout débrancher. » Oh mon dieu. Ah putain. Non mais tu sais, surtout tu dis, pourquoi est-ce qu'on a essayé de faire ça bien? Moi je me disais vraiment, faut trouver où est-ce qu'on doit chanter. Je trouve pas le truc. Non, on fait la Dina. J'ai pas la Tona.
Ah, c'était drôle. Waouh. Et surtout, le moment où Hicham se met vraiment à chanter et que son micro s'en va. Oh, son micro fuit. Incroyable. Il est vraiment parti. Ça, c'était génial. Son micro est vraiment monté de 50 cm. Il était quand même très, très cool de venir nous soutenir. Oui, oui, oui. Genre, j'ai attendez. C'était génial. Merde, j'ai plus mon angle là. Attendez, ne bougez pas. C'était drôle. J'arrive, son micro qui et fait « ouais ». Son micro qui s'élève. Ou ce moment où Manu fait appel à moi pendant la film d'espion, alors que je suis déjà en train de changer les playlists, regarder les thèmes, échanger, et tu fais « et vous, là, j'ai besoin d'un et rôle ». Et j'étais « on avait besoin de faire une double scène sur ce moment-là, et tu étais là. Oui, 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 mais c'était tout de même un peu cocasse. Un peu cocasse. Bon, ben on repassera pour l'improvisation tout à fait normal. Ah, oui, papa. Ça m'intéresse vraiment. Oui, c'était. Ouais, pardon. En fait, t'as Pas de soucis, non. En fait, dans les scènes de teenage, j'ai l'impression qu'il y a toujours à un moment donné une porte qui s'ouvre et un parent qui débarque. Oui. Et vu que t'as fait un peu. T'as fait. Comment je m'appelais ? Lorraine. Ah oui, t'as vraiment fait. Ouais. Lorraine, avec une voix, je me suis vraiment dit. Papa. Bah, en fait, mais c'est sorti tout seul alors je t'ai crié. Non, non, il n'y a pas de soucis. Grosse imposition, quoi. Moi, je voulais faire le gynéco. Un peu grosse imposition. Ouais. Lorraine, venez. En Suisse, on est comme ça, on n'arrête pas d'imposer en impro. Mais j'ai senti ça pendant ces deux épisodes que tu. Il y a une différence culturelle, non, des règles. Ouais, nous, on est généreux. Enfin, voilà. Les rudesses chez vous s'appellent la générosité. C'est ça. Oh, on propose des choses à l'autre et on le prie d'accepter très fort. Voilà. Ouais, mais en fait, nous, on fait tout le temps ça. Et c'est vrai que moi, ça a déjà créé des petits malentendus dans certains pays où j'étais là. Bah, tout le monde fait ça, non ? Ah non ! Ah non ! Non, non, en vrai, ça arrive beaucoup ici. Oui, je sais. Oui. Je sais qu'on se ressemble en jeu, la Belgique et la Suisse, pour de vrai. Ah ouais ? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Des connexions. Est-ce que c'est parce qu'on est une minorité francophone dans un grand pays mais sûrement. Avec une autre langue, enfin un grand pays. Moi, voilà. Je parle de la Suisse et la Belgique, là, tu sais. On a vraiment des grands pays. Mais je me suis toujours demandé s'il y avait quelque chose peut-être. De cet ordre. Peut-être. C'est une excellente. C'est vrai qu'en tout cas, les quelques déplacements en Suisse que j'ai fait, en général, c'est assez évident. Tu passes pas trop de temps à te chercher, quoi. Alors que, par exemple, avec les Québécois, c'est plus compliqué. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il y a un Il y a aussi un truc d'enclave, en fait, de francophone et de ça, je sais pas. Mais. Ah ouais. Pour moi, en tout cas, mon impression que les Québécois, ils punchent beaucoup plus, ils sont plus dans le bam, bam, ultra efficace, tu vois, le 3. Et culture de jeu très différente. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que les Suisses, il y a un truc de. Enfin bon. Ouais. Il y a un truc de quoi ? Voilà. Mais l'impro, on aime ça. Alors, et si on continuait en parlant de choses qu'on aime grâce au coup de cœur ? Oui, bien sûr. Alors, je suis en train de lire ce bouquin qui me fait très plaisir. Donc, j'ai pas lu la fin. Donc, je donne un coup de cœur en mode genre. Wow. Si vous commencez. La fin est peut-être à chier, mais c'est très bien. Ouais, c'est ça. Et donc, ça s'appelle Les 10 petites anarchistes. Et c'est un livre sur une communauté anarchiste suisse de Saint-Imier, composée uniquement de femmes cis. Et c'est. Donc, c'est une vieille histoire, une vieille communauté qui s'était inspirée de la Commune de Paris. Donc, voilà. Et donc, c'est assez cool de plonger dans un univers. Suisse anarchiste, c'est vraiment, ça fait du bien. Parce que quand on habite en Suisse, ça fait du bien. Et voilà, ça fait du bien. Moi, je crois que ces temps, j'ai un peu besoin de lire des histoires ou de me nourrir de fictions qui concernent des collectifs. En fait, je commence à avoir de plus en plus de peine avec les fictions individualistes. Et du coup, un peu des groupes qui gagnent des trucs. Genre, le week-end dernier, j'étais à Paris. Le soir, j'étais toute seule un dimanche et je me suis dit, vas-y, je vais au cinéma et je vais aller voir un film qui s'appelle Le Stade Toulousain. C'est sur l'équipe du Stade Toulousain, donc de rugby. Et c'est pas une fiction, c'est un docu. Et c'était vachement bien, parce que c'est un collectif qui déplace des trucs ensemble. Donc ces temps, j'ai besoin de fiction comme ça, et ça, c'en est une. Donc si vous êtes dans le même besoin que moi, n'hésitez pas. Trop bien. Et donc, la technique de Manu de mettre un noir. Non, c'est un mélange un peu, je crois. C'est basé sur des faits réels et des trucs mélangés. Un roman fiction. Trop bien. Un roman fiction. Un docu-fiction. Ouais, mais non, c'est encore... Un mockumentary. Non, un documentaire animalier. Je trouve plus le mot, mais une fiction radiophonique. Ouais. Si vous avez la réponse, donnez-le nous en commentaire. De l'opéra, s'il vous plaît. Envoyez, on n'a rien préparé. L'opéra est mort. Il est mort ce soir. Je pense que vous êtes vraiment trop dur avec vous. Quand vous la réécouterez, vous verrez. Ah non, mais je pense pas. Est-ce qu'on la réécoute? Moi, j'ai pas le choix. Écoute, t'es obligé pour qu'on puisse. Bien loti, parce que moi, j'ai pas le choix. De toute façon, il faut que tu valides pour qu'on diffuse. Donc, tu seras obligé de tout réécouter. Ah, oh, oui, c'est nous, vrai, on a ça. On t'envoie une piste particulière où, tant que tu n'as pas tout écouté, on ne peut pas diffuser. Donc, la balle est dans ton camp. Très bien. Non, c'est faux. Je vais me mettre à faire couler l'eau très fort sur cette partie-là. Allez! Ah là là. Manu, et si les gens ont aimé la partie opéra ou qu'ils n'ont pas aimé la partie opéra, comment ils peuvent faire pour nous soutenir financièrement? Alors, en tout cas, si les gens ont besoin de lire des fictions sur des collectifs, ils peuvent lire Station Eleven de Saint-Jean Mendel. Que je n'ai pas lu. Qui est formidable. Manu. Oui. Coup de cœur à nouveau, quoi. Qu'est-ce quoi que non. T'es en train de mettre des non, coups non, de non. Cœur, ouais. Et puis, franchement, toute l'œuvre de Ursula Le Guin, et notamment les Dépossédés, collectif qui gagne, c'est vraiment génial. Sinon,
remet l'opéra. On va sortir l'opéra de sa tombe pour le dernier YouTube de la saison. Et là, c'est une tentative de réanimation. Nécrophilie, excusez-moi, attention, mais là, c'est de la... Attention, c'est la profanation de ses pulsions. Tu as une vie entre tes mains, maintenant. Je vais lancer le bouche à bouche en 3, 2, 1. Laissez-lui le temps. Ou pas. Bah, il faut brancher un peu les instruments, là, tu sais. Voilà. Faut brancher les défibrillateurs. Est-ce que dans la vraie vie, les ambulanciers, le ils frottent vraiment les deux trucs non, c'est de la merde. C'est faux, hein. Mais ouais. Hicham est urgentiste, du coup, il peut répondre à ce genre de questions. Oh, mais j'aurais dû savoir ça au début de l'émission, ça m'aurait tellement rassuré, je suis hypochondriaque. Du coup, je me serais dit, au pire, il y a quelqu'un qui peut me sauver. Voilà. Alors, fais gaffe que la déformation de l'urgentiste fait genre, ah, ça va vous arrêter avec vos bêtises. Ouais, c'est vrai. Non, c'est une grippe, ok ouais. C'est pas un oui. Vous avez écouté cet épisode dont on n'a rien préparé et il a fait quelque chose à votre âme, quelque chose à votre cœur. Vous vous demandez, que puis-je faire? Comment aider cette belle communauté qui m'apporte tant de choses? Crache la thune. Parlez-en à votre famille. Crache la thune. Parlez-en à vos amis. Vas-y, fais pas le radin. Parlez de nous sur les réseaux sociaux, aidez-nous à propager cette bonne parole. On le sait que t'as de l'argent. T'as pas 50 centimes. Et si vous avez quelques euros à nous donner, allez sur YouTube pour donner ce que vous voulez. Vous pouvez ce que vous voulez. Ça nous aidera à défrayer nos invités et notre matériel. Utip à un seul moment. Franchement. Ah ouais. J'ai pas écouté. Je crois au début, oui. Peut-être. Mais n'empêche, un peu opéra contemporain. Ah, un peu quand même. On a tué l'opéra, mais on a peut-être. Un peu. On a peut-être gagné un peu de respect. On a fait coucou avec son corps, comme ça, après. On a fait une œuvre d'art. Voilà. Eh bé. Aïe, aïe. Eh bé, merci. Est-ce que quelqu'un a dit Utip dans ce fucking. Je suis même pas sûre. Oh, je pense que j'suis les gens savent. Oui, depuis le temps. De au point où on en est. Mais en tout cas, merci Odile d'avoir poursuivi nos délires improvisés. Merci à vous, ça fait plaisir. On a réussi à une chose jusqu'au bout, ce n'est pas possible. Et non. Chers auditeurs, si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, déjà, vous avez tout notre respect. Oui. En plus de celui de l'opéra. 3 points t-shirt. Déjà. 300. 3 000. Ah oui, moi je suis folle. 3 000. Oh là 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 là. Non, je suis suisse. C'est trop, ça c'est trop. Faut pas qu'il gagne un t-shirt. Faut pas qu'il. Les Suisses, elles appliquent les taux de conversion et tout, c'est 3 000. Et vous gagnez également. Quelques petites infos si vous voulez revoir Odile Cantero sur scène. Mmh. Et oui, vous pourrez la voir si vous voulez à Impro en scène à Paris le samedi. Impro en scène. Impro en scène, j'ai dit ça ? Un peu. Impro en scène à Paris samedi 25 et dimanche 26 juin. Donc hier et avant-hier. Voilà. On est parlé dans le premier épisode. C'est super. C'est très bien. Mais il y a aussi ces épisodes aussi... de monde parallèle. Attends, parce qu'il y a d'abord la sélection suisse en Avignon en juillet. Ah oui. Et ça, juillet, c'était pas hier. Et ce sera pendant 3 semaines. Exactement, ça s'appelle C'est tes affaires. C'est un spectacle tout public. Et venez voir parce que c'est la première fois qu'il y a de l'improvisation théâtrale dans la sélection suisse. Et donc, s'il y a des gens, c'est super. Yeah! Avignon tout court aussi ou pas? Ou non, pas, c'est pas là. Non, Avignon, il y en a déjà eu plein. Ouais. Dans le off, il y en a eu beaucoup. Il y a les eux qui sont allés. Il y avait Hugues, Tébi, Olivier Boulcron. Il y a eu pas mal de monde. Et B. Et il y a aussi, du coup, l'émission. L'émission sur les mondes parallèles. Oui, absolument. Donc, c'est 15 minutes de piratage par jour des ondes de couleur 3. Et lors de ce piratage, on bascule sur les ondes radio d'un monde parallèle. Donc, il y a Radio Chat, il y a Radio Christine, il y a Radio Postapo.
Voilà, des mondes parallèles, 15 minutes. Et on a fait ça avec une clique d'improvisateurs et de comédiens-comédiennes. Enfin, c'est un peu la même chose, mais voilà. On s'est beaucoup amusé et c'est disponible en ligne sur le site de Couleur 3, en trop podcast. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Plaisir. On va déjà devoir se quitter. Oui. C'est la fin. Il nous faut notre misignarde, là. Hop. Mais avant, on va dire quand même un mot chacun pour notre expérience, pour ce dernier épisode. Un mot chacun. Un mot pour toi, Manu. C'est quoi ton mot? Odile. Odile. Un mot pour toi, Hicham. Odile. Un mot pour toi, Odile. Gâteau. Avant de se quitter, je voulais juste remercier vous deux, Ize et Manu, pour cette saison quand même. Oh. Bon, merde quoi. Saison pleine de défis. Pleine de défis. C'est vrai. Pleine de beaucoup de choses. Pleine de beaucoup de choses. Pleine de siestes. C'est vrai. Mais vraiment merci. Et merci à tous nos invités, Odile qui est là, qui a le mérite d'être là. Oui. Donc je vais la remercier plus que les autres. Je prends les merci pour tout le monde. N'oublie pas de leur rendre leur monnaie. Oui, c'est clair. Bien joué de t'être mise en dernière invitée de l'année. Ouais, ah ouais, j'ai vraiment fait ça très volontairement. Bah oui. Mais vraiment, il y a eu plein de très chouettes moments et ce podcast, ouais, est un truc qui me remplit de joie et de. Et je pense qu'on fait des trucs très chouettes avec. Merci. Voilà. Ouais. Donc merci à tous ceux qui participent, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui sont venus, toutes celles et ceux qui sont venus, et merci à toi, Odile. Plaisir. Longue vie, on n'a rien préparé. Longue vie, on n'a rien préparé. Amen. Amen. Et merci Hicham pour le montage et tout ça, c'est trop bien. Et pour ce générique, c'est Hicham qui a fait le générique. Hicham qui a fait le générique. J'allais poser la question. Eh oui. Oh non, on a un chien. 1, 2, 3. Mon grand-père était chirurgien de la main et un jour mon cousin s'est blessé lors d'un entraînement de je sais plus quoi, le sport, bref, et lui a dit j'ai quand même très très mal au doigt, et mon grand-père a checké, il fait bah c'est rien du tout ça, c'est rien du tout, et c'était cassé, et donc le lendemain ça avait doublé de volume, et ça me fait rire parce que c'est vrai que ouais, ce truc des cordonniers les plus mal chaussés quoi, un peu, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur mon grand-père. Il a gagné plein de prix, c'était quelqu'un de merveilleux, ouais. Alors, trop stylé mon grand-père à part ça pour de vrai. Vous auriez sûrement apprécié ses pulls et ses chemises. Et... quelqu'un de... ouais, tu sais, qui te regarde un peu droit dans l'âme, comme ça. Tu vois ? Pas de détour. Espagnol, hein ? Donc né à Madrid. Il y a un degré d'ironie là-dedans ou pas ? Pas du tout. Jamais quand on parle de mon grand-père. Et okay. Quiconque fait de l'ironie à ce moment. Non, c'est vrai. Il y a zéro. Pourquoi ? Et sur quoi t'as cru qu'il y avait de l'ironie ? Je sais pas, parfois il y a des improvisateurs qui aiment bien dire des conneries. Qui aiment beaucoup dire des conneries. C'est vrai. Non, moi je fais pas ça, moi.